Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Swing Time Golf Show. Eh bien, ce soir, nous avons le plaisir de vous retrouver. La première émission était diffusée, comme vous le savez, sur cette même chaîne la semaine dernière. Et ce soir, nous aurons plusieurs invités. Et le thème de cette émission, c'est l'évolution du golf à Maurice. Sur le plateau, Rob Grieve, qui est Media Manager de Market Info Direct, également éditeur de Swing Time Magazine. Notre ami Dieter Prohn, qui est bien sûr l'ancien directeur de golf à Belmar, et notre premier invité, Adolphe Valette, qui est président du golf club de Belmar. Messieurs, bonsoir. Donc on peut dire qu'il y a du beau monde sur ce plateau ce soir. Good evening, Rivera. Good evening, viewers. Tonight, welcome again to another episode of the Swing Time Golf Show, where we talk the business of golf. Golf in Mauritius is part and parcel of the tourism industry, and tonight we examine with our guests the historical evolution of the sport on the island, as well as the costs that go into maintaining the many beautiful golf courses we have here today. Alors donc, messieurs, encore une fois, bonsoir. Adolphe Valette, vous êtes un des plus anciens golfeurs mauriciens. Alors sinon, quand on parle de l'évolution de cette discipline à Maurice, pour vous, les débuts, comment c'était justement pour cette discipline? Ah ben, je dois dire, je suis peut-être parmi les plus vieux, mais pas parmi les plus anciens. Pour la bonne et simple raison que, d'abord, le golf à Maurice, le parcours de golf, le premier parcours, a été construit bien avant ma naissance. C'était construit par les Anglais, à Vaquois. De sorte que quand j'ai connu le parcours de golf, c'était déjà 12 trous avec des cordes de tennis en gazon, style Wimbledon. Adolphe Valette, avec du recul, on peut dire aujourd'hui qu'avec la facilité qu'offre le golf à Maurice, dans les quatre coins de l'île, on peut débuter à un très jeune âge. On peut débuter à un très jeune âge. Il y a quelque chose qui manque encore, ce sont quelques écoles de golf pour pouvoir avoir le maximum de joueurs. Nous avons chez nous, à Belmar, une petite école de golf. Et du reste, tous nos caddies, et c'est atteint aujourd'hui, Dieter pourra vous le dire, aujourd'hui, c'est atteint, sont pratiquement des scratch players. Ils sont très très bons. Et je crois qu'à l'heure où je vous parle, il y en a un qui a participé à une compétition à l'île de la Réunion. Alors, quelles ont été les grandes étapes, justement, de cette évolution du golf à Maurice? Les grandes étapes. Quand j'ai connu le golf, j'ai connu le Gymkhana. Et dans les années 70, il y a eu des 9 trous qui se sont créés. Il y a eu le 2-2. Le Gymkhana avait changé son 9 trous en 1, son 12 trous, pardon, en 18 trous. Et puis il y a eu le trou aux biches. Le Morne également avait un très bon parcours. Malheureusement, il n'était pas assez bien irrigué à l'époque. Aujourd'hui, ça a été corrigé. C'est un très joli parcours, un très joli cadre. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a trop de biches. Et le 2-2. Voilà. Mais c'était des 9 trous. Et j'imagine, Adolphe, que cette évolution s'est faite avec justement une demande au niveau de la clientèle touristique aussi qui augmentait. Je ne crois pas que ça. Il y avait une demande à ça. Oui. Mais nous avons pris le risque, nous, à Belmar, de faire un parcours, le Legend, le premier parcours. Et ça m'a intéressé énormément, parce que le coin, je le connaissais depuis mon enfance, avant même qu'il y ait des CF dessus. De sorte que c'était un coin que je connaissais, que j'aimais, avec beaucoup de pièces d'eau. Et du reste, tout le parcours a été construit, et il n'y a pas une pièce d'eau qui est faite de la main de l'homme. Tout a été construit, tout est nature, et c'est ça qui m'a intéressé à construire. Pour la bonne impression que finalement, oui, je dois dire, qu'est-ce qui m'a poussé un peu à ça? C'est que quand j'ai commencé à jouer au golf, j'ai voyagé. J'étais en Afrique du Sud, j'étais en Irlande, en Angleterre, en France. Et là, j'ai vu, ça m'intéressait, puisque j'avais commencé à jouer au golf, de voir les parcours de golf. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que finalement, il n'y avait pas de parcours réellement bien dessiné à Maurice. Il n'y avait pas de parcours bien dessiné et que ça nous manquait. Et que je me suis dit, ça va non seulement intéresser les Mauriciens, mais encore plus de le faire à l'hôtel, pourquoi pas avoir une clientèle golfique que nous n'avions pas
Pratiquement pas à l'île Maurice. On ne peut pas passer sous silence aussi votre souci d'un environnement sain, équilibré. L'environnement, ça je dois vous dire, je suis très proche de la nature. J'ai toujours été très proche de la nature, bien avant même le golf ou quoi que ce soit. Du reste, à vous dire franchement, au cours des dernières 50 années, ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a fait beaucoup de peine de voir le nombre d'arbres centenaires, indigènes, exotiques, qui sont abattus. Et de sorte qu'en ce qui concerne notre golfe, je veille de très près, et Dieter qui est à ma gauche pourra vous dire, sur qu'on n'abatte pas aucun arbre sur le parcours, qu'il soit indigène ou exotique, encore plus s'il est indigène. Et je crois que l'île Maurice, on a intérêt à garder le maximum d'espace vert. Voilà, le message, j'espère, il est passé ce soir. En tout cas, merci Adel Vallet d'être passé sur notre plateau de Swing Time Golf Show, donc un programme qui est diffusé, je rappelle, chaque semaine sur MBC3. Et d'ailleurs, le programme continue avec d'autres invités, mais pour tout de suite, une page de pub. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure, tourism, education and hospitality. Market Info Direct, our business is helping yours to succeed. Welcome back again, viewers. I recently had the great pleasure of meeting and speaking to professional golfer Mark Ferry. Mr. Ferry has been a professional golfer since the age of 19 and has been on tour for over 20 years. He has held numerous titles, including the prestigious award of winning the 1996 BMW International Open. He's also largely responsible for bringing the Senior European Tour to Mauritius. Let's have a look and see what his views are on golf and the business of golf. If you compare golf to other sports, right, you know, roughly at 30 years old or 32 years old, your career is over. Absolutely. With the golf business, right, you can still play and be very competitive. Mm-hmm. And I think, once more, very, very lucky. I think this tour will grow and grow over the years, right, because everybody will turn 50 one day. Yeah. And this is my turn now, but it was like Greg Norman a couple of years ago. Mm-hmm. It was Faldo a couple of years ago, it was Woznam a few years ago, Ballesteros as well, but sadly he is a bit injured and ill, as we all know, so he can't play. But in the next few years you will have Colin Montgomery on the European Tour, and then there's Freddie Couples in America and Tom Lehman. So anyway, all the big names that all the golfers have been followed over the last 20 years, right, they will be senior one day. And I was wondering, in terms of your experience and your views on the development of the industry locally in Mauritius? Well, I'll tell you what, I think it's moving rapidly and big time. Right. I first came here in 96, okay, because I was playing the World Cup golf event, right, in Cape Town, right, and I heard a lot of Mauritius, yeah, but I was never actually been in Mauritius before. Okay. So I took that opportunity because Cape Town, it's not far from Mauritius. Right, it's a 5-hour flight. Yeah, so after the tournament, I took my wife and my kid, mm-hmm, and we went to Mauritius. And luckily, I ended up in the Constance group. Okay, so you're now in a long-term relationship? Oh, yeah, since 96. Okay. And, well, obviously, I'm part of this group now. I design a golf course for them, and I'm their consultant. But and they're doing a lot, and they are the only resort in the island with two golf courses. That's great. Which is a fantastic opportunity for, you know, the golfers to come and stay, right, and play two golf courses. Right. But the island itself is really making a big boom. Over the last 6-7 years, I think 3 or 4 new resorts opened, right, and I heard there might be a couple of more coming over the next 2 or 3 years as well. Right. So it is really nowadays a golfing destination where you can, share your time on the beach and also on the links. Do you think
in the near future that infrastructurally, you know, Mauritius has the capability to host a PGA tournament and that we're ready for something like this? Absolutely, and I was just going to mention that to you. We already started it. Right. Because last December at the Belmar Plage Hotel, we had the first big international golf event. Right. We had for the first time the European Tour Senior Tournament in Mauritius. Okay. So we have been signing a contract with the MCB Bank for the next 3 years. Yeah. It's been a really, really big success. Everybody was happy. We were lucky to have Sam Tarns, which is a really, really big name. We also had David Trust from South Africa. Right. And all the big champions from the European Tour. An old boys club all getting together to have some It is. Goal. Actually, it is. But the good thing is, and let's not forget this, we are still competing. Mm-hmm. Mm-hmm. This is not like the senior series in tennis, right, where this is more fun than competition. Yeah, yeah, yeah. The senior tour, either in America, which is called the Champions Tour, or in Europe, mm-hmm, which is called the European Senior Tour, is really a question of competition. Right. Nobody's playing for fun. Yeah, you know, we're playing for money and we try to beat the others. For sure. So the competition is still there and the feeling of winning a tournament is still really, really present. I just quickly wanted to get, as I said, just your thoughts. A show like Swing Time Golf Show has never been done before in Mauritius in terms of that we're trying to bring golf to the broader people of Mauritius. What are your thoughts on developments of a show like this? Well, I think it's brilliant, you know, and basically you have to go forward in that, and as we said, the more Mauritian players will pick up the game, the better it will be. Right. So I think it's great. Thank you very much. That was Thanks. Great. Appreciate it. With our finger on the pulse of activity throughout our business sectors, we at Market Info Direct are leaders in dominating the business environment. As specialists, we facilitate all aspects of these sectors with a high standard of professional service. One key, one solution. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Welcome back again, viewers. As we discuss the ins and outs of the business of golf, tonight we have another very interesting guest who's going to give us some insight tonight, Robert. Oui, vous avez raison de le dire, Rob Griff. Il s'agit donc de Bertrand Quevaubrier. Bertrand, bonsoir. On rappelle que vous êtes le general manager de la société Setia, qui entre autres distribue la machinerie nécessaire à entretenir en parcours de golf, mais aussi des systèmes d'irrigation et des clubs cars. Alors évidemment, une question s'impose déjà. Quel est l'équipement de base dont doit disposer un golf? Écoutez, il y a toute une flotte d'équipements qui est nécessaire à l'entretien d'un golf. D'abord, les plus évidentes sont les tondeuses, qui sont spécifiques à chaque application, notamment pour l'été, les greens, les fairways, les semi-roughs et les roughs. On doit aussi avoir une batterie de plus petits équipements pour atteindre les endroits qui sont pas accessibles aux plus grosses tondeuses. Il est très important d'avoir également des équipements pour la décompaction du sol, donc des aérateurs à lame, à pointe, à éjection d'eau. Il y a différentes techniques. Aussi pour tout ce qui s'agit de la pulvérisation, soit les fongicides, insecticides, engrais liquides. Il faut aussi des épandeurs pour tout ce qui est les fertilisants granulés. On a aussi pour l'entretien des bunkers, des équipements qui sont autoportés. Et puis pour le nettoyage et l'entretien, donc ça c'est plutôt au niveau de l'aspect du golf, tout ce qui est souffleur, aspirateur et tout ça pour laisser l'endroit propre et net. Et pour finir, toute une flotte de véhicules utilitaires qui vont servir aux différents intervenants pour aller sur le golf pour différentes tâches, ainsi que des tracteurs et avec des remorques et des chargeuses éventuellement pour transporter le sable. Voilà en gros ce qu'il faut. On peut aussi élargir ce tableau pour parler aussi de systèmes d'irrigation qui vous concernent aussi.
Tout à fait. Ben écoutez, oui, effectivement, l'irrigation est essentielle en parcours de golf parce que vraiment là, on est dans le, on va dire, dans la culture pointue. Donc, il faut avoir un système d'irrigation automatisé qui couvre tout le parcours, retenue d'eau, donc ordinateur, qui communique avec des satellites sur le parcours de façon à envoyer donc de l'irrigation pour une durée très déterminée. Tout ça peut être contrôlé aussi par des stations météo, donc c'est effectivement des systèmes assez pointus, on va dire. Et quelle est l'espérance de vie de tels équipements? Il faut compter avec un entretien rigoureux aux alentours de 7 ans, ouais, à peu près. Ouais. Et tout cela, bien sûr, demande un investissement considérable. Y a-t-il des moyens pour atténuer les coûts, pour que ceux qui s'intéressent justement à acquérir de tels équipements puissent être aidés d'une façon ou d'une autre? Tout à fait. Écoutez, il existe différentes solutions de financement qui sont proposées donc, par les différents organismes. Il y a le Finance Lease, qu'on peut... Donc, qui est là, en direct, où on vient capitaliser ces équipements. Et il y a aussi ce qu'on appelle le operating lease, où il n'y a pas de capitalisation des équipements, c'est simplement toutes les dépenses, ça passe tout en dépenses courantes. Donc, ça, c'est des formules plus intéressantes pour ceux qui ne veulent pas investir d'entrée beaucoup d'argent et préfèrent consacrer leurs capitaux à d'autres choses, au parcours, par exemple. Alors justement, Dieter et Dieter Prohn, qui est avec nous depuis le début de l'émission, il a agi un peu comme observateur avec tout ce qui a été dit par notre premier invité, Adolphe Valette, là à l'instant avec Bertrand que vous viviez. On parle beaucoup de technologie, de nouvelles avancées. Quelle est la tendance actuelle à Maurice, Dieter? Ben, pour d'avoir constaté qu'un parcours de golf qui fait environ 70 hectares en moyenne, dans le cas du Belmars, c'était plus parce qu'il y avait deux parcours, ne peut être que aussi bien que son équipement. C'est-à-dire que la meilleure équipe ne peut pas bien travailler si les équipements tombent toujours en panne ou peut-être même au mauvais moment avant un tournoi, etc. C'est-à-dire que c'est une question de responsabilité de régulièrement entretenir et aussi renouveler les équipements. Il y a de moyens ensuite aussi avec les équipements usés de les vendre ou revendre à quelqu'un qui en a un autre usage, que ce soit pour les gazons, un parc, un hôtel, il y a d'autres possibilités. Quand on parle de technologie de pointe, tout ce que je peux dire, c'est que les clubs de golf partout au monde qui ont toujours investi dans les équipements les plus modernes, je parle par exemple d'un hydrojet qui permet d'injecter de l'eau à haute profondeur sans abîmer la surface, ce sont des investissements qui se rentabilisent à la fin parce que vous avez vraiment une surface impeccable pendant toute l'année. C'est-à-dire que dans les deux années et demie où j'ai travaillé au Belmars Plage, on a eu des soucis minimales parce que ça arrive toujours, un fairy ring ou quelque chose. Heureusement, on avait toujours des spécialistes qui ont tout de suite réagi en termes de mesures physiologiques, donc il n'y avait jamais de problème. Mais sur 365 jours de l'année, je dirais que 360 jours, la surface était impeccable. Alors bien sûr, il vous faut des gens qui sont vraiment bien qualifiés, mais même eux sont des fois, disons, s'ils n'ont pas les armes qu'il faut pour se défendre, ils ne pourront pas obtenir le meilleur résultat. Justement, on parle des gens qui sont quand même essentiels à ce sport, à cette discipline, le golf. Donc, on parle aussi des gens qui doivent être formés pour mener à bien tout ce qui doit être fait sur un golf. Tout à fait. Mais écoutez, le greenkeeping est un art, hein, je veux dire. Donc, effectivement, il doit avoir parmi, je pense, le personnel d'un golf, des gens très qualifiés, des gens d'autres moins. On a besoin de main-d'œuvre de base également. Pour ce qui est de la maintenance des équipements aussi, ce sont des équipements assez pointus, assez spécialisés. Donc effectivement, il y a là aussi besoin de professionnels et de gens qualifiés. Et comment voyez-vous un petit peu l'avenir, le futur dans ce domaine? Je veux dire, au niveau des équipements, justement, cette nouvelle technologie. Mais écoutez, les nouvelles technologies, il n'y a pas à proprement parler de révolution dans le monde des équipements de golf depuis un moment. C'est plutôt, on constate plutôt une amélioration des techniques existantes ou une combinaison de différentes tâches par un même équipement qui permet d'économiser du temps. Quand on sait que le temps d'entretien se fait au détriment du temps de jeu, donc ce sont des facteurs importants. La main-d'œuvre le coût de la main-d'œuvre est un facteur également.
Donc, voilà un petit peu, il y a les équipements qui aujourd'hui sont quand même assez sympathiques, je dirais, à ce niveau-là, au niveau des résultats, de leur efficience, et qui sont beaucoup appréciés par ceux qui s'occupent du côté jeu, c'est-à-dire du côté des joueurs, où on ne vient pas justement faire obstacle au jeu. Alors, Bertrand, nous avions précédemment eu le plaisir d'avoir Adolphe Valette sur ce plateau. Dieter, on l'a présenté comme un des directeurs de golf à Bellemare. Justement, quel est le rôle d'un directeur sur un golf course? Ben, le directeur s'occupe d'abord de l'opérationnel, c'est-à-dire d'organiser en fait la journée, de surveiller que les processus se passent bien. Mais ça, à la limite, je dirais, c'est quelque chose que n'importe qui peut apprendre rapidement. Un directeur qui fait très bien son travail, fait surtout aussi du marketing, de la communication, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la presse, des journalistes pour vendre son produit. Il est en charge de délivrer des entraînements à ses employés qu'il considère étant très doués pour avancer. Et ainsi former en fait une équipe est plus performante que les autres. En fait, le directeur est en charge de vendre le golf. Beaucoup considèrent que c'est un travail juste de gestion, mais ce n'est pas le cas. S'il fait très bien son travail, son produit sera très connu, son produit sera impeccable, et ce sera ça en fait sa reconnaissance. Avec la diffusion des différentes émissions sur la NBC TV, avec notamment Swing Time Adopt et Golf Tips, qui sera diffusé également les vendredis, eh bien, j'espère que nous allons attirer un plus large public et que bientôt vous allez venir de nouveau sur ce plateau pour nous parler de la pratique de la discipline, et on l'espère vivement que d'autres emboîteront le pas. En tout cas, merci, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, Bertrand Couvaux-Villiers, et bonne continuation. Donc rappelle que vous êtes le General Manager de la société CETIA. Et on poursuit l'émission avec d'autres surprises pour nos téléspectateurs. Robert, did you know that Mauritius has the fourth oldest golf club in the world? Really? That's right. The Gymkhana Golf Club here in the Isle of Mauritius is over 150 years old. And so, it occupies a very important part and position of the heritage of golf internationally. So join us, viewers, and let's learn more about the heritage of golf and Gymkhana. Le plus vieux parcours de golf de l'hémisphère sud, le Gymkhana Club, est aussi le troisième plus vieux circuit golfique au monde. Le golf a été introduit à Maurice pendant la colonisation britannique. Comptant à peine une centaine de membres à l'époque, ce club qui a diversifié ses activités compte aujourd'hui plus de 2000 membres. Certains de ses membres ont vu évoluer ce sport à Maurice durant des décennies. Ça livre là 150 l'année. Et nous faisons une petite histoire au club, dans cette époque-là. Ancien club, là, c'est Bandelette, General Gordon. D'accord, et donc Gymkhana, c'est un club qui fut fondé par la colonie britannique. Et oui, par l'armée britannique. Et après ça, le Royal Navy fin prend lit. Et j'ai tout fini sans club aussi, ce bâtiment est changé chaque fois. Et là, la foule civilienne a installé de l'étage, tout ça. D'autres y ont travaillé pendant plus d'une trentaine d'années comme caddie avant d'occuper d'autres postes au sein du club. Bon, nous commençons à zéro, nous commençons à faire caddie, nous payons les colos, casse caddie. Et aujourd'hui, nous arrivons à jouer golf, nous voyons en plusieurs pays où ça joue golf là, ils ne sont pas bons membres. C'est grâce à golf qui nous vient travailler Gymkhana. Le Gymkhana Club à Vakwa aura ainsi vu évoluer le golf à Maurice pendant plus d'un siècle. Et ce club qui fait la fierté des Mauriciens témoignera encore de l'histoire de ce sport à Maurice. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième édition de Swing Time Golf Show sur la NBC. Nous remercions nos invités, notamment Adolphe Valette et Bertrand Couvaux-Villiers. Nous rappelons que chaque semaine, eh bien, nous aurons le plaisir d'avoir sur ce plateau Rob Griff comme co-présentateur et bien sûr régulièrement notre ami Dieter Prohn. Nous vous rappelons que nous avons aussi notre rendez-vous golfique cette semaine. Il s'agit de Swing Time Adopt et Golf.
Golf Tips qui sera diffusé vendredi soir sur cette même chaîne. Voilà donc pour ces rendez-vous. Sinon, on se retrouve à la même heure, à la même semaine pour Swing Time Golf Show. Thank you very much, Hervé. And thank you, viewers, for joining us again on the Swing Time Golf Show, where we talk the business of golf. I'd like to thank our guests that joined us tonight and lending their insight and our understanding of how the sport and the industry of golf works here in Mauritius. Join us again for our Swing Time Adopt a Golfer Golf Tip Show. We will be bringing some exciting and interesting ways of improving your golf game to the people of Mauritius. Thank you and good night.